All at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged sky. Chers auditrices et auditeurs de RVL, bonsoir, c'est Claude qui vous retrouve dans l'émission Country Valley, comme vient de vous le dire Rémi. Et si vous aimez la country music, eh bien restez avec nous, vous allez en prendre plein les oreilles pendant une heure, comme tous les jeudis soirs. Eh bien, nous allons démarrer de suite avec un groupe américain, un groupe qui s'appelle Lady Antebellum. Si plusieurs d'entre vous nous suivent depuis quelque temps, ils connaissent ce groupe. Sinon, pour les autres, c'est un groupe qui a démarré sa carrière en 2006. La chanteuse très connue Hilary Scott est la fille de l'excellente chanteuse Linda Davis. Donc, ce groupe est composé d'Hilary Scott, bien sûr, de Dave Haywood et Charles Kelly. Ils ont sorti 6 albums, très nombreuses récompenses dans les awards de la country music. Et bien, on écoute Lady Antebellum avec un morceau « When You Were Mine ». Never spend.
Le groupe Lady Antebellum, eh bien, nous partons maintenant au Texas avec Monsieur Rick Trevino, donc artiste né en 1971 à Austin. Il était vu en France, on a eu le plaisir de le voir sur scène, pas très loin dans l'Ille-et-Vilaine, au festival des West Rennes. Et donc cet artiste excellent a débuté sa carrière en 1993, il a sorti 8 albums. Alors il a de la country, j'oserais dire traditionnelle, mais c'est pas un mot que j'aime bien. Et on sent les influences texanes, mexicano. Donc ce qu'il fait, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, on va le voir avec le titre de ce soir, un superbe morceau. Better in Texas, Monsieur Rick Trevino. I left my heart down in Mexico. Well, some say you're really not so long ago. Who I thought about each night and day. Oh, what can I say? What's such a foolish thing to do? But now I'm falling for somebody new. That sweet Tejana, has she changed my life? Oh, what a night. Now I know everything is better here in Texas. Monsieur Rick Trevino, et vous comprendrez bien sûr les influences quand on sait que le Texas, et ce bel État avant Alamo, était mexicain.
Donc, nous continuons notre balade à travers les US avec The Band Perry, groupe familial composé de Kimberly Perry et de ses deux frères, Reed et Neil. Ils ont débuté leur carrière en 2005, ça fait déjà quelques années, seulement deux albums, et oui, seulement malheureusement, deux albums, mais par contre, c'est ce qu'ils font, c'est super chouette, super sympa. On écoute de suite The Band Perry avec un morceau Quitting You. Le groupe The Band Perry. Eh bien, nous restons toujours sur les US avec Monsieur Ray Atkins, chanteur-compositeur américain, né le 13 octobre, c'est bientôt son anniversaire, pensez à lui souhaiter, le 13 octobre 1969 à Valdosta, en Géorgie, aux US. Lui débute sa carrière en 1992. On a eu la chance de le voir sur la scène du Festival de Craponne, il y a déjà quelques années. Seulement deux albums lui aussi, et oui. Non, qu'est-ce que je raconte? Je me trompe de ligne. Oh là, heureusement que j'ai des fiches. Non, non, lui, il a sorti un petit peu plus, 6 albums. Donc là aussi, c'est excellent. Ça s'écoute très bien, c'est du régal. On écoute de suite Monsieur Ray Atkins avec un morceau qui s'intitule Southern Memories. Tell myself it's over.
that somewhere there's another who'll take your place in my life. But it's all just make-believe. I know it's all just make-believe. 'Cause a thousand memories can't be wrong. One by one they're telling me to hang on. Truth is, girl, I loved you all along. Know a thousand memories can't be gone. I don't need to see a picture or read your roll of letters to know the fool that I've been. I'm reminded all the time. I don't need to drive by your house or go to our old hangouts to know the love I'm missing. It's always on my mind. Girl, Monsieur Red Atkins, eh bien nous partons sur une voix féminine avec Madame Lizzie Sider, jeune artiste américaine née le 23 mai 1998 à Boca Raton, en Floride. Elle a tout juste 21 ans. Et elle débute sa carrière en 2011, c'est pas très vieux. Elle n'a enregistré qu'un seul album en 2012, c'est dommage. Et elle a commencé à écrire, tenez-vous bien, à l'âge de 13 ans. Pas en retard dans le domaine. Eh bien, on va écouter un morceau de son seul album de Lizzie Sider. C'est dommage qu'elle n'en sorte pas d'autres parce que c'est sympa. Lizzie Sider, on l'écoute avec Beautiful Surprise. Started walking my way and then
when he looked at me and said, "You're a beautiful surprise. You're a beautiful surprise." Madame Lizzie Sider, et quand on pense que cet album a 7 ans, elle a 21 ans à l'heure actuelle, donc un album qu'elle a enregistré à l'âge de 14 ans, si on fait vite le calcul, c'est dommage qu'elle n'en sorte pas d'autres pour nous faire plaisir. Franchement, c'est sympa. On part maintenant avec Monsieur Blake Shelton, né en 1976 à Ada, en Oklahoma. Ce monsieur, c'est l'ex-mari de Madame Miranda Lambert, hyper connu aussi. Lui, sa carrière, il l'a débuté en 2001. 9 albums sortis, plus 2 compilations. 4 récompenses dans les awards de la country music. Là aussi, c'est du régal. On écoute de suite Blake Shelton avec un morceau de Shelton, Problems at Home. Fires are burning up the forests, down along the Amazon. There's children starving in Guatemala. They're just barely hanging on. And I that there's a way to right the wrong. And Lord, while you're listening, could I mention some troubles of my own? I got problems right here at home. In Mississippi, brings his daddy's gun to school. A little girl in New York City buys cocaine for mama. That there's a way to right the wrong. And Lord, while you're listening, could I mention some troubles of my own? I got problems right here at home. Is crying, our baby's fighting a battle that she may not win.
the doctor's doing all that he can. God, now it's all in your hands. And I there's a way to right the wrong. Now I'm just one man, a grain of sand in a troubled world, I know. But I've got a problem right here at home. I've got a problem right here. Monsieur Blake Shelton, et vous êtes toujours sur RVL, sur les 103.1 de la radio RVL à Épouville, et vous êtes dans l'émission Country Valley avec Claude. Si vous voulez nous joindre, eh bien vous pouvez le faire au 02 35 30 53 84, 02 35 30 53 84. Eh bien, nous continuons et nous repartons avec une voix féminine, une superbe voix pour une superbe dame, Madame Lynn Brody. Donc elle est née en 1955 à Oak Park dans l'Illinois, de son vrai nom Lynn Vorlas. Elle débute sa carrière dans le début des années 80, oui, ça fait déjà quelques années qu'elle tourne. Célèbre interprétation d'ailleurs, et on l'a déjà passé dans d'autres émissions, du fameux Yellow Rose, le fameux Yellow Rose of Texas, superbe morceau. Elle a sorti seulement, elle a malheureusement, je dirais, 4 albums. On écoute de suite Lynn Brody avec un morceau de son dernier album, On the Wings of Songs. This world gives and this world takes. This heart loves and this heart breaks. I've been in and I've been out. Alone and lonely. Some things start as all things end. Broken things that would not mend. Through it all I had a friend that never left me. On the wings of songs I fly, high above like sweet refrain, warm
superbe voix que celle de Madame Lynn Brody. Je vous encourage à vous procurer ses albums. Franchement, c'est du régal. Eh bien, nous partons encore qu'une voix féminine. Eh bien, on y reste avec Madame Jennifer Waterly, qui elle est née à Beverly Hills, une région bien connue. Donc elle débute par contre sa carrière assez tard, puisqu'elle débute sa carrière lorsqu'elle n'a que 40 ans. Et donc, c'est rare de voir un artiste démarrer à gérer aussi tard. Mais n'empêche que la sortie des albums qui sont tous excellents, 5 albums au total, sa voix donc est comparée par beaucoup du monde de la country à celle de Patsy Cline. On écoute de suite Jennifer Waterly avec un morceau repris du répertoire de Monsieur Garth Brooks, et sa version est vraiment intéressante, The Dance. Looking back on the memory of the dance we shared neath the stars above. For a moment, all the world was right. How could I have known that you'd ever say goodbye? And I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. Holding you, I held everything. For a moment, wasn't I the queen? But if I'd only known how the queen could fall, hey, who's to say? You know I might have changed it all. And now I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the. Yes, my life is better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. Thank you.
Madame Jennifer Waterly, ben nous repartons maintenant avec Emmylou Harris. On a passé un morceau la semaine dernière, mais j'avais envie de me faire plaisir, toujours. Donc, je commence par moi-même, désolé. Donc, Emmylou Harris, on ne la représente pas. On sait qu'elle est née aux US le 2 avril 1947, si je ne me trompe pas, de tête. Et on a eu la chance de la voir sur scène en France. J'ai eu la chance de la voir sur scène à Paris lors de son concert, de sa tournée avec Mark Knopfler. C'était du géant. Eh bien, Emmylou Harris, on l'écoute de suite avec un de ses anciens albums et un morceau super sympa qui s'intitule Shores of White Sand. Like a flat rock on water, and with each ripple further I'm gone. Some say I'm sinking to the muddy bottom, but somehow crosswinds are changing, lowering my chances to make it alone. But should you get lonesome and your child need a just look for my traces in shores of white sand. Some say I'm sinking to the muddy bottom, but somehow I'm sailing.
Superbe voix que celle d'Emmylou Harris, on ne s'en lasse pas. Eh bien, nous partons maintenant avec les Sons of the Desert, groupe texan de Waco. Fondé en 1989, leur période d'activité 1989-2004. C'est dommage puisque c'était un superbe groupe. 8 membres dans le groupe, 2 albums sortis seulement. Et bien on écoute de suite les Sons of the Desert avec un morceau super sympa. You Can Come Crying Tom. There in your sleeve, that your only souvenir is a pain that won't leave. All he left behind, all the lies he told you. Now the arms of the favorite chair are all that hold. Baby, you can't go to him no more. Cry on his shoulder, baby, that's over. You can't hide inside his arms. He won't let you. Baby, I bet you need someone to dry away your tears. Baby, you come crying. I can tell by the way you're shaking and the crack of your voice that you feel as if this second is your only choice. You think broken hearts last forever, but I know that I can mend what has been severed. Baby, you can't go to him no more. Cry on his shoulder, baby, that's over. You can't hide inside his arms. He won't let you. Baby, I bet you need some. C'était donc les Sons of the Desert. Eh bien, nous partons maintenant avec Madame Mindy McCready, artiste américaine née en 1975 en Floride et décédée en 2013 dans l'Arkansas. Cette artiste, eh bien, suite à beaucoup de soucis, donc avait décidé malheureusement pour nous, puisque c'était une très bonne artiste, de mettre fin à ses jours. Donc, elle a sorti quand même 5 albums que je vous engage à vous procurer, puisque c'est une artiste qui était très en avance sur son époque pour
les morceaux et le style qu'elle a sorti. Alors on va écouter de suite un morceau de Mindy McCready, un morceau qui s'intitule What If I Do? Madame Mindy McCready, on sent que ça se rapproche un petit peu du style même Shania Twain. Eh bien, nous partons avec les Reckless Kelly, groupe de country rock formé dans l'Idaho, installé depuis à Austin, au Texas. Leurs débuts se sont faits en 1987. On a eu la chance de les voir à Craponne. Et ils ont sorti 9 albums. Là aussi, c'est du régal. Et on écoute les Reckless Kelly avec Set Me Free. Set me free, set me free. I need a little more room to breathe. And the freedom to do what I please. Mama, set me free. Set me free, set me free. Let me see what I can see. Have mercy on a boy like me. Mama, set me free. Drive me off on a mountaintop somewhere. Well, I point them down. Say my prayers. No one understands it. Maybe they don't care. We're only here because it's there. So set me free, set me free. I wanna be what I can be. Say living, living to me. Mama, set me free. Set me free, set me free. Let me see what I can see. See on a boy like me, mama, set me free.
see a gray below. Great mystery in the cold wind blows. Set me free, set me free. Have mercy on a boy like me, gonna set me free. Excellent groupe, les Reckless Kelly. Eh bien, nous terminons avec une voix féminine, avec Madame Dinah Carter, née en 1966 à Nashville. Elle est multi-instrumentiste. Elle a débuté sa carrière en 1994 et a déjà sorti 8 albums. On écoute Dinah Carter avec How Do I Get There? Chères auditrices et chers auditeurs, notre émission touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la réaliser. Un grand merci à Rémi pour la technique, comme ça je peux avoir les mains libres. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un excellent week-end. À la semaine prochaine, équipe It Country.